fait du tout. Dans mon champ de vision, c'est simple. Il n'y a que Bernadette derrière nous, qui est là depuis un bon moment maintenant, pratiquement dans toutes mes vidéos. I'm not done yet, we're just getting started, yeah. You thought I would let it go, you know how I love to show. You wanna be cool, I know I could show you. You wanna fit in, but still doesn't want to fit in. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Merci de demander. Alors, premièrement, on excuse mon accoutrement. Ça se voit que j'ai pas du tout coiffé mes cheveux. Mais je vais vous expliquer. C'est incroyable comment cette perruque, vous la kiffez tous. Sachez que moi aussi, je l'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont pas suivi les aventures de cette perruque qui, à la base, quand j'ai reçu, était longue, je crois, jusque-là. Clairement. Et que du coup, je me suis amusée à couper... toutes les semaines un petit peu plus, vraiment, elle était là, j'ai coupé là, et là, elle est là. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Donc comme vous l'aurez compris, on va parler cheveux, ça faisait un petit moment que je n'ai pas parlé cheveux. À chaque fois que je change de perruque, à chaque fois que je change de coiffure, blablabla, que je fais un truc spécial à mes cheveux, il y a plein de questions qui reviennent à chaque fois, donc je vais profiter de cette vidéo sponsorisée par... Eva Wigs. Je tiens à préciser que Eva Wigs, c'est aussi de là, de ce site là que cette perruque me vient, ok, je vous l'avais déjà dit en story Insta et tout, mais donc Eva Wigs, et donc ils m'ont envoyé une deuxième perruque qu'on va découvrir ensemble et qu'on va installer ensemble. Je sais, vous êtes bien triste parce que je vais enlever cette perruque là. Mais bon, il y a un moment donné, moi le changement ça commence à me manquer, donc voilà. Et en plus là je l'ai pas collé, je l'ai pas coiffé, donc j'ai l'air vraiment d'une crazy mama. Comment vous dire que c'est pas difficile. Enfin bref. J'en ai aussi profité pour vous demander sur Instagram si vous aviez des questions particulières concernant mon amour pour les perruques. Enfin, tu vois, la relation que j'ai avec mon amour pour les perruques. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où j'installe mes perruques devant vous, où je vous montre un peu comment je fais. Alors, je suis pas du tout une pro et je pense m'améliorer à chaque fois que je le fais. Donc, voilà. Mais je pense que c'est pas très nécessaire qu'on aille encore sur les étapes, que je parle de ça. J'ai plus envie de faire ce genre de vidéos qui sont assez répétitifs. Donc, je vais le faire et en même temps, bah, je vais répondre à vos questions et puis on verra le résultat tous ensemble. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est arrivé dans une boîte comme ça noire, c'est écrit Eva. Voilà, là je l'ouvre. Ensuite on a ma pépé qui arrive emballée avec toutes les informations dessus. On a un petit catalogue comme ça, je pense. Voilà, c'est des guides en fait, si jamais tu sais pas comment coller ta perruque, et bien ça t'explique tout. Il t'envoie même des wig caps et ça c'est génial parce que j'en avais plus. Et là le petit bonus du jour, c'est les petites comment ça s'appelle déjà? C'est des épingles à cheveux? Non, c'est des cuxus. Oh, enfin bref, un truc comme ça. Donc voilà la perruque. C'est des cheveux bouclés, ils sont assez longs. La couleur, c'est bien du noir. Franchement, c'est tout cracra. Je vous ai prévenu, j'ai pas collé ma perruque, donc commencez pas. Hair type, donc le type de cheveux, 100% high quality. I mean, high quality only. Human hair, donc cheveux très 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 naturels. C'est du 22 pouces, donc moi le 22 pouces c'est ma longueur, c'est ma longueur fétiche, c'est ma longueur sûre. Le 22 pouces c'est déjà assez long, c'est déjà bien long 22 pouces. Le hairline, il est pré-plucked. Tu vois, c'est déjà, la raie est déjà dessinée, là le devant du cheveu. C'est déjà dessiné aussi, c'est tout beau. Il y a des perruques qui sont déjà customisées de façon à être placées sur la tête sans colle. Et moi, en ce moment, je ne colle pas mes perruques. Des fois, elles ont l'air collées parce que bah, des fois, je vais travailler un peu sur du baby hair et tout, puis ça fait grave comme si c'était collé. No, my friend. Les petits crochets comme ça qu'il y a derrière la perruque, ça... votre best friend. Tu prends des deux côtés. Donc il y a ce côté-là et ce côté-là. En général, si tu colles pas tes perruques, tu as déjà ça. Donc tu les auras déjà accrochées comme ça et c'est comme ça que la perruque elle tiendra sur ta tête. Quand ça commence à s'élargir un peu, quand ça commence à être un peu trop détendu. Ce que je fais moi et que je sais pas si tout le monde fait ça ou pas, et t'as pas intérêt à grossir de la tête entre temps, c'est que je les détache et après je fais un nœud en fait. Voilà, pas trop serré non plus, mais c'est juste que ça va de toute façon plus serré, tu vois ce que je veux dire. Alors il y a Hode 253,
qui dit ça te va bien, mais je te préfère plus au naturel. Maline Wanaxan, ça veut dire bonne journée en Somalie. Maline Wanaxan. Écoute, merci, c'est gentil. Après, vous êtes beaucoup à me faire cette réflexion du fait que je serais mieux au naturel, que nanana. J'ai aucun problème avec le fait d'être au naturel, alors vraiment aucun. C'est juste que je préfère porter des perruques. Et en fait, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui aimeraient que les gens qui portent des perruques se justifient de pourquoi elles portent des perruques. C'est comme si tous les matins, t'as l'habitude de te mettre un peu de mascara aux cils et que des gens te disent « Mais pourquoi tu mets du mascara sur tes cils ?» Ben, t'en mets parce que c'est mieux avec. Enfin, tu te trouves en tout cas mieux avec. Pas forcément que ça l'est, c'est juste que toi, tu te trouves mieux avec. Tu vois ce que je veux dire? Je vais juste baisser un peu la caméra parce que mes nattes... C'est la catastrophe. Je vais pas tout vous montrer. Voilà, hop, on enlève la pépé. Vu l'état dans lequel mes cheveux naturels sont actuellement, je peux vous dire que dans très très peu de temps, je vais vous faire un tuto cheveux naturels. Oui, alors ma belle, tu utilises quoi comme crème pour tissage? À part ça, tissage, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Je pense que la dernière fois que j'ai fait un tissage, c'est quand je suis partie en vacances avec la famille de mon chéri. Parce que vous savez, quand tu vas en vacances, bah, t'as pas envie d'être là à changer tous les jours de perruque. Enfin, si jamais là, je suis juste en train de couper la lisse de ma perruque. Sans vous mentir, tout ce qui est crème, soins, trucs, machin, je suis pas totalement à jour avec tout ça. Je sais pas encore ce qui me convient le mieux dans tout ça. Ces derniers temps, je vais un peu à la one again. Tant que ça peut hydrater les mèches et me permettre de les coiffer convenablement, et bien je vais. Si vous en connaissez, laissez-moi savoir en commentaire parce que c'est toujours bon à savoir. Il faut vraiment que je me mette à jour en ce qui concerne les crèmes, les soins et tout ça. Les seuls produits que j'ai utilisés et que j'aime bien et que je peux vous conseiller pour l'instant, c'est sur mes cheveux naturels et c'est la gamme de Beauty Air. Elle m'avait envoyé une gamme il y a longtemps et ben c'est toujours les mêmes que j'utilise. Ouh, c'est bien serré ça, dis donc. Oh. Hi. Donc ouais, je vous disais donc, j'aime bien l'idée tout simplement de pouvoir changer de coiffure, de perruque, de tête et tout. Et voilà, c'est mon dada, c'est mon dada, c'est mon dada. Et je pourrais pas vous l'expliquer mieux que ça. Tu sais que je suis pas complexée, tu sais que ils vont très bien. À chaque fois que je vous les montre, vous êtes grave choqués. Vous êtes là, mais purée Rob, t'as trop des cheveux, ils sont trop jolis et tout. Et genre, je vous dis oui, je sais, enfin, I know. C'est juste que... j'ai envie de mettre des perruques. J'ai reçu des perruques du tonnerre, tu vois, genre une perruque comme celle-ci. J'ai envie de la mettre. Et le jour où je serai d'humeur à être en mode mes vrais cheveux, mes cheveux naturels, eh ben j'en aurai envie et je vais le faire. Faudra jamais que personne ait l'impression que je l'ai fait parce qu'une telle personne m'a dit de le faire. Ça, c'est hors de question. Je garde dans un coin de tête qu'il y en a beaucoup qui aimeraient voir mes cheveux naturels, qu'il y en a beaucoup qui me préféreraient au naturel et tout. C'est cool, c'est gentil. J'enregistre. Par contre, je le ferai quand j'aurai envie de le faire, en fait. Voilà, tout simplement. Je vous encourage tous à faire la même chose. C'est tout bête, hein. C'est pas de la prétention, c'est rien. C'est tout simplement que actuellement, je mets des perruques et j'aime bien ça. Mais il y a un problème, c'est que moi, de toute façon, je peux pas garder les mêmes cheveux trop longtemps. J'arrive pas. Il faut que je change à un moment donné. Genre après, allez, maximum, je vais garder 2 semaines. Et encore 2 semaines, c'est rare. Il faut que je change. J'aime trop changer de coiffure, j'aime trop... J'ai l'impression que quand je change de coiffure, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle moi et c'est trop cool. J'aurais bien voulu décolorer la lisse pour que ce soit un peu plus transparent, mais voilà, là je vais faire comme ça parce que je vais vous montrer qu'on peut le faire sans aussi. Il n'y a pas tout le monde qui sait le faire, donc on peut le faire sans, on peut faire sans. Notamment là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre un peu de fond de teint. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que vous voyez sur les bouts là, ça marque trop. Je vais faire un petit peu de baby hair quand même parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça super démodé et super whack. Mais moi les baby hair, bah, j'aime bien, voilà, c'est mon rêve d'avoir des baby hair. J'en avais pas, là je vois que ça commence à bien pousser donc on est bien. Mais ça avait... sachez un truc, c'est que moi les baby hair, j'en avais jamais. Jamais. Il y a une autre question qui dit, ça ne dérange pas ton homme que tu sois tout le temps artificiel et non naturel? Qu'est-ce que vous entendez par artificiel? Vous pouvez me laisser en commentaire. Enfin, dites-moi juste en commentaire qu'est-ce que ça veut dire artificiel pour vous? Artificiel pour moi, c'est pas péjoratif. En tout cas, je l'utilise pas dans ce sens-là. T'as le droit d'être artificiel si tu veux. Je t'encourage à l'être si c'est ce que tu veux être, en fait. Mais pour moi, artificiel, clairement, c'est chirurgie esthétique.
c'est, enfin voilà, tout ce qui est un peu refait, c'est tout ce qui est un peu dans l'excès et tout ça. Moi, je suis pas maquillée tous les jours, alors ça, pas du tout. À la maison, je ressemble à une momie la plupart du temps. En fait, là, surtout que c'est une question qui était centrée sur le fait que je porte des perruques. Alors, artificielle, oui, parce que c'est pas mes vrais cheveux, peut-être, d'accord, certes, je te l'accorde. Par contre, ça fait pas de moi une meuf artificielle. Après, bah écoute, mon homme, apparemment, il est... ça ne le dérange pas vu qu'on est toujours ensemble, on vit ensemble. Donc non, vraiment t'inquiète pas pour lui, je pense pas du tout que ça le dérange. J'ai déjà commandé chez AliExpress mais jamais des perruques, donc par rapport à ça je peux pas vraiment t'aider. Après AliExpress, ce qui me fait peur avec ce site, c'est que c'est tout le temps la surprise en fait. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Et autant tu vas commander un truc et qui va arriver, ça va être de la bombe, ça va être un truc de ouf, tu vas kiffer de ouf. Et autant tu vas commander un autre truc une autre fois et c'est n'importe quoi. La courte est celle qui te va le mieux. Magnifique, les cheveux courts aussi avec long, mais franchement je suis d'accord avec vous, je trouve aussi que le court c'est quelque chose, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'arrête pas de couper mes cheveux à chaque fois, c'est un autre délire, c'est un autre level les cheveux courts, ça c'est sûr. Du coup ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais arrêter d'en porter un jour? Clairement oui, je pourrais clairement arrêter d'en porter un jour, je vais pas en chialer en tout cas, ça c'est sûr. Ça t'abîme pas les cheveux de devant? J'ai trop envie d'essayer mais j'ai peur. Les premières fois je peux vous dire un truc. Ouais, les premières fois ça m'abîmait grave, grave, grave les cheveux de devant. Je pense qu'au début, ouais, je me suis quand même bien abîmé les cheveux avec les perruques. Si tu protèges pas tes cheveux, c'est sûr que tu les casses. Je pense que je vais enlever le bonnet là, parce qu'il commence à me saouler, il est trop clair en fait. Et je préfère clairement quand j'ai pas le bonnet. Donc je pense que je vais enlever le bonnet, attends. Franchement, c'est pas mieux comme ça? Avec le bonnet, des fois les bonnets c'est pas très utile hein. Le bonnet il est utile quand tu vas coller ta perruque surtout, parce que du coup il va venir protéger ton cheveu naturel. Là je vais pas coller ma perruque donc je vois pas pourquoi je me suis mis ce bonnet dans la tête, enfin, je sais pas. Bon les gens, je vais un peu avancer sur cette perruque parce que sinon je sens que cette vidéo elle va durer une heure. Alors là je sens que ça a collé un peu sur le ruban. Ouh. Girl. Alors voilà le résultat les filles. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore, c'était tout ce que je recherchais. Tu vois ces boucles là et puis cette fluidité. Oh mon dieu, mais je dois vous parler de cette qualité, c'est pas possible. Franchement Eva, oui c'est la deuxième fois comme je vous ai dit. Il faut que j'arrête de regarder là en fait, j'arrête pas de... Je regarde. Ça fait deux fois du coup qu'il m'envoie des perruques. Et là vraiment pour le coup je peux clairement vous dire, attester que je suis pas du tout déçue, que c'est vraiment de la bombe. Rien à dire. Vraiment c'est très naturel. Vous voyez que je peux complètement jouer avec. Vous voyez, vous savez que j'adore jouer avec mes faux cheveux. Sarah Mi me dit, depuis quand mets-tu des perruques? Ben, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, je mettais pas du tout de perruques avant, je faisais que des tissages. J'ai commencé en 2018 les perruques, clairement j'ai commencé en 2018, mais quand exactement je sais plus, mais tu vois c'est encore récent. Hein. Où en trouver des pas chers et qui font naturel? Alors dès qu'ils font naturel, il y en a beaucoup en ce moment sur le marché, beaucoup. Moi c'est vrai que tout ce que j'ai à vous montrer et à vous proposer ces derniers temps, ben, c'est des sites américains, chinois, enfin voilà, étrangers. Donc je peux comprendre que c'est pas facile de faire confiance et puis de se jeter. Là on m'en envoie en fait, donc là on m'envoie ces perruques pour que je les teste, pour que j'en parle. C'est des gens avec qui je communique par mail, oui d'accord, mais je communique avec eux. Donc voilà, c'est des gens qui existent vraiment, parce que sinon ils m'enverraient pas ces perruques, tu vois ce que je veux dire. Donc sinon il y aurait toujours des galères. Moi j'ai jamais eu de galère, en principe. En moins d'une semaine, déjà une semaine c'est gros, mais en moins d'une semaine je reçois les perruques. Et voilà, soit c'est de la bonne qualité, soit c'est pas de la bonne qualité. Je peux vous dire que, en tout cas, les sites à retenir, ce sera EvaWe, donc les sponsors de cette vidéo. Et un autre que je vais pas citer là par respect pour ce fournisseur qui sponsorise ma vidéo, mais dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo perruque, promis, 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 parce qu'ils m'ont envoyé une nouvelle perruque trop stylée, que je vais vous montrer aussi. On va faire à peu près la même chose et tout ça, donc je vous en parlerai très bientôt. Voilà les rubis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, j'ai essayé d'innover un peu, plutôt que d'être là, vous montrer ce que je fais, comment je fais, que ce soit une vidéo un peu plus agréable à regarder. Du coup, bah, si vous aimez bien ce concept, bah, on refait ça sans problème. En général, les cheveux bouclés...
je supporte pas très très longtemps. Après, il me faut des cheveux lisses assez rapidement, mais bon. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien aussi ou pas. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Ne partez pas sans faire ça. Et surtout, à liker. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, vraiment. Je vous kiffe. Et sinon, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao, ciao!